Salut l'équipe. Bon, là on est en février, on a de très belles journées. Si jamais je vois des gros chevesnes à la surface en train de marauder, j'essaierai de les faire peut-être à vue. Et sinon, ce sera chevesnes au pain. Ici, c'est un spot où il y a tout le temps des chevesnes en été. Donc si là, aujourd'hui, j'en vois pas, ce sera un très bon indicateur. Bon, comme il n'y a pas l'air d'avoir de gros chubs de poster, je vais me poster moi et attendre genre une dizaine de minutes avec du pain. Yes. Le pain s'est ancré, j'ai un bon visuel dessus. Il n'y a plus qu'à attendre qu'un gros cheven de 50 passe par là. Putain, il y a enfin un gros cheven qui arrive. En fait, il est arrivé par là-bas. Puis il s'est réorienté vers là-bas. Car en général, les chevens, ce qu'ils font, c'est qu'ils se laissent dériver et ils remontent. Quand ils se laissent dériver, on est quasiment sûr qu'ils reviennent par là. Je pense que la stratégie du jour, ça va être de chercher des berges tapantes comme ici, où j'estime qu'il y a du chevesne. Et plutôt que de les faire à vue avec une sorte de petite larve, c'est-à-dire attendre qu'il passe, le sniper et essayer de le faire, je vais mettre un morceau de pain dans l'endroit le plus probable de passage et attendre. Ça pourrait être une belle zone de passage, ça. Bon, je vais m'installer ici. Oh, départ! Ou pas du tout en fait. C'est pas grave, on réitère, hop. Ok, là c'était peut-être un départ. Attendre un peu. Ah, c'était violent! Ouais, j'en ai un. Yes. Oh, c'est gros. Ok, j'en ai un. J'ai mon chub. Oui. Oh, il est beau, oui. Il est beau, hein. J'ai bien fait d'attendre pour ferrer. Oh, il est beau, oui. Ils font toujours ça dès qu'ils sont dans l'épuisette. Donc il vaut mieux attendre. Rien d'attendre. Hop, voilà. Premier chevesne de la journée. Ça, c'est cool, ça. Voilà, regardez-moi ce beau chevesne. Il est sublime. Allez, voilà. Retrouve ta liberté. Retourne à la bataille. Bon les gars, je suis sur un sale coup là. Du haut du pont qui est là-bas, vous voyez, il devait y avoir un banc avec une vingtaine de chevesnes de 50 minimum. Hein. Je prends une vidéo avec mon téléphone et si on les voit bien, je vous les montrerai. Bon, comme on les voit bien, je vais essayer de les filmer. Ici, il y a une quantité tout simplement débile de chevesnes de 50, voire 60 même. Ça, c'en est un, deux, trois. Sur le banc de sable, on les voit bien. Mais là, on les voit pas très bien avec le téléphone, mais dis-toi que là, il y en a peut-être 20. Regarde ces monstres. Je pouvais pas les pêcher depuis cette berge. Par contre, je compte traverser et me tremper les pieds du coup, parce qu'il fait plutôt bon. Si le vélo est attaché, on est parti pour l'aventure. Ça, j'aime ça. J'adore quand je sais pas où c'est que je vais arriver. Bon ben les amis. Oh putain, elle est pas chaude. Le plus agréable effet. Ok, j'approche du but. Je vais essayer de m'approcher le plus près possible pour me mettre sur l'herbe. Oula, oula, je crois que j'ai un départ.
Je vais attendre un peu. Ouais, je crois que j'en ai un. Putain, il s'est décroché. Allez, deuxième lancé. J'ai lancé en plein dans le blanc. Oui, on dirait que c'est un départ. Je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu. Là, c'était une vraie touche par contre. Ah, c'est dommage. En fait, s'il se jette sur le pain directement, il n'a pas de temps de devenir mou. Donc comme il est encore dur, l'hameçon va pas sortir pour venir se planter dans la bouche du poisson. Vous voyez le problème? Là, à mon avis, ici, ça va être très compliqué de faire un poisson. Je sais pas ce que je vais faire quand j'aurai plus de bananes. Je sais vraiment pas ce que je vais faire. Ça, c'est déjà la troisième banane que je fais ici. Là. Ça bouge un peu. Je suis tout de même plutôt satisfait de mon aventure, on va dire. Ça m'avait manqué de faire des petites explorations comme ça. Pour moi, c'est ça la vraie pêche, en fait. Hein. Chercher des coins, ne pas savoir sur quoi tomber, et puis s'adapter et réussir, quoi. Bon, là, ça n'a pas été le cas, mais c'est des choses qui arrivent. Si ça a marché à chaque coup, on perdrait vite goût à faire tout ça. Parce que c'est dur que la récompense est grande. Allez, on va essayer d'accélérer un peu le pas. Parce que le temps passe vite en hiver. Un jour, je ferai une vidéo dédiée sur pourquoi je me trimballe avec une épée en plastique à la pêche. En fait, il y a plusieurs raisons. Donc c'est pour ça, je vais pas trop en parler, mais je tenais juste à dire un mot. Là, ça n'a pas de franc intérêt en hiver, vu que tout est sec et c'est relativement facile de se frayer un chemin. Mais pensez... à l'été, quand tout sera dense, quand tu auras des ronces et des orties qui feront cette taille, vous voyez. Petite côte là, comme ça, pour s'échauffer. Bon les gars, je vais vous montrer quelque chose que vous avez jamais vu de votre vie. J'ai jamais vu ça non plus, c'est n'importe quoi. Il y a des centaines, peut-être même des milliers, de chevesnes. De entre 30 et 50 cm. Ou alors c'est peut-être pas des chevesnes, je sais pas ce que c'est, mais il y en a des milliers. J'ai jamais vu ça. Et ça commence là, et ça continue sur environ 300 mètres vers le haut. C'est pas hyper recommandé de faire ça. Il y a des solutions plus rapides pour le suicide. Hein. C'est sans complexité. Je vais volontairement lancer vers la gauche. Wesh mec, les chuchus, oh c'est un truc de malade. Mais gros, ils... je sais même pas quoi dire mec. Oh les steaks. Putain mec, ils sont énormes, il y en a partout, c'est ça le pire. Mais c'est une dinguerie mais cette putain de rivière là. Ah vache mais mec... Bon allez les gars, c'est bien beau, il y a peut-être des centaines de chevesnes là, mais ça va être très très dur à faire dans ces conditions, donc on va changer de spot. Hop là. Ah.
Et ben ça roule pas. Hein. Ici c'est chiant parce que du coup le soleil est à l'opposé. Donc j'ai un très très mauvais visuel sur la pêche. Je vais voir si j'ai pas moyen de rejoindre une autre route plus loin pour me mettre de l'autre côté. Là, il y a peut-être du chevesne. On va filer 5 minutes. Oh. Je crois que j'ai un départ. Je suis pas sûr. Oui, j'en ai un. Oh yes. Oh oui, j'aurais fait un deuxième poisson. Oh putain, il est beau. Waouh, 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 waouh. Regardez ça. Excellent. 30 secondes de pêche. Ici, avec les canards et les visiteurs, c'était sûr. Voilà, encore un très beau chevesne. On va pas garder plus longtemps. C'est parti. Pas mal celui-là, tiens. Bon, allez, on va lancer là. Et une tape. La pointe. Ouais, il y a encore une tape. Oh, le fil se dé. J'en ai un. Oh, j'en ai un. Oh, il est beau. Oh, c'est exceptionnel. Deux fiches sur le. Oh, lui, il est combatif, lui. C'est exceptionnel. Deux fiches sur quasiment le même spot. Il y avait des canards, c'était sûr. Dès qu'il y a des canards, il y a des gens pour leur acheter du pain. Oh, celui-là, je le mesure. C'est un très beau poisson. Hein. Regardez-moi ce spécimen. Là, je suis au zéro. Attendez. Tac, voilà. Et ben non, en fait, il fait que 50. Comme quoi, il avait l'air hyper gros. Il est juste très très gras. Et voilà. Vous avez vu ce poisson un peu? Il est hyper grand. C'est ça qui donne cette impression, mais en fait, il est pas très long. Ça, c'est typique d'un endroit où les gens jettent beaucoup de pain. Les poissons deviennent très gras, mais pas forcément plus longs. Parce que la longueur d'un poisson dépend de son âge, mais le poids d'un poisson dépend de sa capacité à se nourrir. Je sais même pas si c'est le bon chemin. Je sens que je vais le regretter si c'est pas le cas. Wow. Wouh. Vous avez vu ça? C'est juste là. Bam. Ça me saoule. J'ai des tapes mais j'arrive pas à savoir si c'est des fiches. Bon, je vais faire y relancer de toute manière. Oh mais j'ai un fiche. Oh oui.
Oh putain, oui. Oh, j'espère qu'il est pas trop engamé. Oh oui. C'est quoi ça? Oh, c'est une omble. Non, c'est un hotu. Oh putain, la force que ça. Merde, on dirait qu'il est... On dirait qu'il s'est piqué... Ouais, putain, il s'est piqué sur le côté. Oh, ça me plaît pas, mais je vais devoir le garder. Ah, oh, ça me plaît pas, mais ouais. Ouais, ouais. Il survivra pas à une hémorragie pareille. Ah, putain. Allez. Ici, ce sera sûrement mon dernier spot de la journée. Et voilà, et puis moi, je vais me... manger ma petite pomme en attendant. Oh, je ramène un truc, ça a l'air gros. Oh, mais c'est un chevenne. Non. Je crois que c'était une branche. Oh, c'est la première fois que ça m'arrive. Oh non. Non, pas la même chose. Oh non, putain, c'est encore un... C'est une blague. Non. Oh non. Remarque, je peux peut-être arriver à lui sortir. Voilà, c'est bon. Il était piqué sur le côté de l'œil, donc ça va, il va s'en sortir. Non mais c'est une blague, fais chier. Et voilà, c'est ainsi que prend fin cette petite vidéo là d'aventure, d'exploration. J'espère que ça vous a beaucoup plu. Le format évolue un petit peu, j'essaie de faire au mieux en fait pour avoir des vidéos qui sont à la fois authentiques, hein, qui dénaturent pas trop ce que moi j'ai vécu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine, bye.